Nous faire exposition ça aujourd'hui. Objectif et exposition ça c'est pour arriver et sensibiliser population hein, et sur les assassinats qui étaient passés en dedans l'école normale supérieure côté agent IRGPN et en complicité avec Palais National et puis agent Nokade qui a assassiné camarade nous Grégory Saint-Hilaire qui c'est étudiant et promotion 2013-2017 qui finit faire stage depuis 31 juillet 2019 et qui a un dossier en souffrance depuis 8 janvier 2019 dans la direction des ressources humaines, ministère de l'Éducation nationale, dans quatre batailles qui ont mené pour intégration, pour espérer un protocole accord, et bien agent IRGPN d'arriver à assassiner. Mais ça que nous constatons, quelque part, après l'amour Grégory Saint-Hilaire, nous finissons par comprendre que c'est un acte qui fait en complicité avec le pouvoir. Parce que nous avons tant de spécialistes dans le domaine qui informent, qui fait quoi que yon agent IRGPN qui seulement comme objectif pour lui sécuriser le bâtiment par les nationales. Et bien, comment yon IRGPN fait déplacer Alti yon étudiant dans l'espace de faculté et puis Jovenel Moïse pas dit rien. Et dans le demain, dans le discours Jovenel Moïse fait, il dit que ça, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que ça, n'importe étudiant qui décide à goumion dans l'université pour que ce stage de nomination, ça crive Grégory Saint-Hilaire, la privé. Deuxième bagaille, c'est le comportement du ministre José Agenor Kadé. À chaque fois que nous faisons conférence sur la presse, nous faisons sitting, nous faisons manifestation, Pierre José Agenor Kadé était toujours dit comme ça, qui est trop plein dans le système. Non. Et bien, immédiatement Grégory Saint-Hilaire mourit, Pierre José Agenor Kadé mettait avis de recrutement pour dire la faire concours parce qu'il a besoin de recruter 300 professeurs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'État, en quelque sorte, lui affirme, lui assume que ce qui passe à l'école normale supérieure, c'est eux-mêmes qui font. C'est dans ce sage, je ne le dis pas. Nous comprenons une perception collective qui fait après 2004, via avec bataille qui a été menée dans l'université, qui a fait quoi que, depuis la bataille dans l'université, c'est pour question de l'argent, c'est pour cette bagarre. Mais nous, même génération, ça, en 2004, c'est 12 ans de gagné. Nous ne pas impliqués dans la bataille qui a fait. La bataille qui a fait, je ne le dis pas, c'est une bataille population qui est liée parce que c'est. L'État même qui attaque nous dans cette faculté, nous, c'est dans ce sens que nous faisons activité ça là pour arriver à sensibiliser la population, pour qu'elle comprenne cette bataille que nous avons menée en son bataille pour la population, en faveur de la population, une bataille qui est liée avec la question de justice sociale. Merci. D'accord. Pourquoi pas? Et communauté universitaire en général. Et nous avons prêté chapeau bien bas pour nous saluer débat. Et yon camarade, yon gros poto garçon qui était très cher pour la communauté universitaire, et particulièrement dans l'école normale supérieure. Et qui te comprenne les missions historiques comme haïtien, même Jean Haïti te gon mission historique. Et là nous parler de mission historique yon pep, c'est mission historique pep la gagne pour accomplir dans l'histoire humanité. Côté arrivé à un certain moment dans toute l'histoire humanité, et haïtien te pose une plus grosse question humanitaire qui c'est la récupération de la dignité confisquée, de la dignité perdue dans les colons. Et nous pas non seulement poser question ça, mais nous te proposer une alternative qui c'est établir une société côté monde capable de vivre et tant que monde établir une société côté bourrique pas travail ba choual galonné. Mais c'est établi en société côté, nous tous capables de mettre ensemble pour nous travailler et nous tous capables de mettre ensemble tout pour nous récolter. C'est ça qui fait nous féliciter le comportement parent Grégory Guéien qui malgré tout dans la misère, mais qui n'a pas laissé au côté aller
pas ensemble, j'ai dû pouvoir en place là à quelques autres secteurs dans la vie nationale là à faire. Et je dis à nous très senti nous indignés et par rapport à gens insécurité à lui-même tout la valet terrain en dans pays là. Et nous dit et ça arrive possible par rapport avec démobilisation au secteur qui est important dans la vie nationale là pour mobilisation qui c'est secteur université là. Et dans tout pays sérieux université li gon rôle fondamental li jouer même je nous ta capable garder avec on est tant que Gérard Pierre Charles qui fait comprendre que université c'est gardien de rapport c'est bras d'herbe dans le pays là. Et ça fait dans situation critique pays d'Haïti là nous ta supposé gon université critique cap camper bon masse défavorisé là et qui pas entrer dans sauce poisson craser dans bouillon. Mais là nous constater journée aujourd'hui c'est pour la première fois bon pouvoir qui installé ni PHTK première version ni deuxième version rivé attaquer poumon université a côté pouvoir en place là rivé maré saucisse à dirigeant université a côté yo rivé dans la pacification et presque totale et instaurer la pensée unique en dans université a côté jodi a un paquet de secteurs dans la vie nationale là qui dit côté université a malgré toute attaque pouvoir par l'université a presque été insensible par rapport à ce qu'a fait dans le pays. Et ça fait journée aujourd'hui, il y a une équipe qui présente comme on l'a honte pour nous. Pendant l'école normale supérieure, il y a demandé pour étudiants mobilisés, mais n'abwe, il y a le chita en cachette avec pouvoir en place là pour négocier, acheter terre pour l'école normale supérieure et promettre d'y faire comme pouce pourtant. Jusqu'à maintenant, le corps défunt lui-même, nous parlons pour qu'on connaisse qui ça a fait pour enterrer. Nous trouvons que son honte et une bagaille pour reste communauté à connaître sous l'école normale. L'école normale prend naissance sous sang. Et c'est une base militaire qui te gagne là, gagne des mounes qui te comprennent l'espace là important pour établir un espace côté capable à former mounes pour aller former petite masse là. Et puis, tu as choisi par ses têtes en holocauste. Et pour être capable de quitter Akisa, qui dit c'est former petit, c'est former monde pour aller former petite masse là. Et une nouvelle chose pour nous saisir, c'est que Grégory c'est promotion de l'école normale en 2013 et promotion nous gagne 150 étudiants. Depuis deux ans, nous fin faire étudiants sont fin faire stage et âgé nos cadets, lycémenté 7 fois 77 fois malgré mon protocole d'accord qui signe entre l'école normale. Avec le ministère de l'Éducation nationale 10 ans. Automatiquement, vous finissez faire l'école normale, vous finissez faire stage, vous nommez automatiquement nos lycées qui ont besoin. Mais âgé, non, cadet, lycée, mental, dit pas nommer promotion ça. Parce que le système, non, il est full. Mais automatiquement, vous finissez assassiner, camarade Grégory Saint-Hilaire, vous pouvez aller âgé, non, cadet, il lance un concours pour le recruter. 300 enseignants en dans système automatiquement yo fin assassiner camarade Grégory. Et ça fait nous rêver comprendre assassinat Grégory nous ta capable comprendre ni sous trois roi dife. C'est ministère éducation nationale qui gagne en tête li agé nos cadres le cynique et rectorat université a qui gagne en tête li on moun yo rele fils des hommes le cynique et palais national qui c'est représentant physique international communautaire. Et ça qui passe Grégory Saint-Hilaire, il n'y a pas trois départements de ça qui passe sous régime Boudia. Même Jean, régime Boudia a assassiné un jeune intellectuel, équilibré théoriquement et politiquement, qui c'est Jacques-Stéphane Alexis. Et ça qui fait nous-mêmes nous disons dans l'école normale supérieure. Oui, nous d'accord que sans Grégory servi, on déclic pour cause déclencheur. Pour jeunesse la mobiliser, une fois pour toutes, pour nous dire non à ce régime sanguiné ça. Pour nous dire non à ce régime ça qui par exemple suspend, mettez de l'eau dans le peuple là, mais nous dit tout, l'école normale pas déplacer. Et nous pas déplacer avec mémoire Grégory. Et ça fait nous allons déclencher un mouvement là, objectif, côté toute terre qui nous vivons dans l'école là, qui c'était par la justice, qui c'est l'autre terre qui nous alentour, nous allons commencer à poser des actions objectives sous terre ça. On dit nous pas besoin à acheter l'autre espace pour l'école normale parce que l'on prend faculté de droit
l'autre faculté de technologie, l'autre faculté de sciences, l'autre médecine, l'autre odontologie, l'autre INAT, l'autre l'école normale, géographiquement, ça a tout constitué un mini campus. Et ça fait après, nous fin, déchouquer le régime sanguiné, ça, zone ça, tout doit tout constituer un mini campus universitaire. Et ça fait, nous ne pas déplacer pour insécurité. Insécurité a son phénomène généralisé et généralisant lié dans le pays. C'est lié pour nous résoudre. Et bien, ça fait, nous clair sur ça. Exposition, ça, c'est une exposition symbolique qui vise travail, conditions subjectives pour tout le monde arriver à mobiliser pour nous finir avec le régime sanguiné. En tout cas, nous avons campé là. Nous avons des camarades, nous qui sommes sciences humaines, pour nous poser. Oui, en fait, nous saluons la presse pour le service de la communauté et particulièrement la communauté étudiante dans le cadre de la bataille menée pour garder un ensemble acquis démocratique pour voir PHTK lui-même vivre passer en papier. En fait, c'est ce camarade là dit là, et espace universitaire lui-même, c'est un espace qui est toujours là pour le rembourser un ensemble de revendications masse populaire lui-même l'a mené en deux pays. Nous pas oublier contre l'occupation américaine, l'université lui-même était campé pour te faire résistance, pour te dire à bas avec l'impérialisme américain en deux pays. Contre régime totalitaire dictatorial du Duvalier, l'université lui-même avec Fene, il était regroupé et il était organisé pour te arriver mettre fin avec dictature du Valier. Contre régime Lavalas, l'université lui-même était toujours présent pour le défendre acquis démocratique. L'université était toujours présent pour côté masse populaire, dans souci pour revendication masse populaire lui-même lui pas passer en papier. Mais nous remarquons ces derniers temps avec l'arrivée du pouvoir PHTK corrompu, l'université lui-même gagne un silence lui fait par rapport avec revendication peuple. Nous avons remarqué le massacre qui fait dans le quartier populaire, Tokyo, La Saline, Belé, Kafoufei, l'université a lui-même lié le silence. L'université a pas jamais dit rien. Mais pour voir PHTK dit l'université a lié sous lui. C'est la raison pour laquelle, pendant le dernier mois, l'université a, disons, pour voir PHTK, lui fait deux massacres dans l'université. Tout d'abord, il a assassiné le professeur Moufegué Doval, la Kaili, en face de la présidence Jovenel Moïse. Et ça va arrêter là. Et pour voir PHTK, Libanon, il y a un deuxième assassinat qui est camarade, qui est un militant, qui est Grégory. Mais nous-mêmes, nous disons par rapport avec l'assassinat, l'université a pas arrêté à garder. L'université a pas arrêté sous silence. L'université a pas arrêté bois croisé. Par conséquent, nous avons entamé une série de mobilisations dans la semaine qui est passée. Nous disons pour voir PHTK lui-même, seule façon pour faire bac par rapport avec le régime totalitaire. Voulez mettre en place là, c'est mobilisation. Par conséquent, nous mêmes étudiants, nous prenons la RIA, nous déterminer, nous disons, premièrement, nous demandons justice pour tout le monde pour voir PHTK massacré. Nous demandons vengeance pour tout le monde pour voir PHTK massacré. Et troisièmement, comme nous pouvons voir ça lui-même, il n'y a pas qu'à faire justice, comme pour voir ça lui-même, il n'y a pas garanti la paix, comme pour voir ça, il n'y a pas favorisé confiance. Nous même par conséquent, nous disons que la meilleure façon pour la justice arriver réelle en notre société, elle doit passer automatiquement par chambardement, par renversement pour voir PHTK. Dans ce sens, nous même étudiants qui regroupent différentes entités, nous sommes une série de mobilisations qui poursuivent demain, si Dieu veut, pour nous dire, nous demander justice, nous demander vengeance, et la meilleure façon pour une justice, la meilleure façon pour une vengeance, c'est dit à bas pour voir PHTK. Dans ce sens, mobilisation de demain, toute entité est arrivée présent. Nous avons commencé devant l'école normale, nous avons passé pour la médecine, nous avons passé pour la faculté de droit et nous avons venu à Christophe Inagé pour nous prendre l'université privée, tant que vos études, tant que pastorale, disons, épiscopale, Inasmo, pour nous arriver descendre sous la rue, dans ce souci pour nous entrer dans le palais national, pour nous dire Jovenel Moïse, on va garantir la paix. Pour nous dire Jovenel Moïse, on va garantir la sécurité. Pour nous dire Jovenel Moïse, on va favoriser confiance. On ne pas gagner place où on ne pas aller, c'est bas et talon. Dans ce sens, on a continué mobilisation jusqu'au bout. On a continué mobilisation manche longue
jusqu'à ce que nous arrivions à renverser, chavirer, chaudir, comme on peut, le régime PHTK lui-même, liberté en deux pays. Ok, et nous avons salué la presse, nous avons salué la communauté haïtienne, nous avons salué la communauté étudiantine pour le déplacement que vous faites dans l'exposition que nous faisons aujourd'hui à l'avenue Christophe. L'exposition que nous faisons là, en plus de symbolisme qui est caché derrière elle, c'est matérialité cause revendication nous aujourd'hui. Parce que là, mon camarade Grégory Saint-Hilaire, ce n'est pas simplement un étudiant qui mourut. C'est un étudiant haïtien, c'est un monde. Parce que ça, c'est plutôt, il voulait montrer que c'est ingérence de l'État, il voulait montrer que c'est niveau insécurité qui commence trop en dans le pays. Parce que symboliquement, en dans une société, nous connaissons qu'un monde capable de dire qu'il est en stricte sécurité, c'est là qu'il soit en dans l'église ou bien il est capable en dans l'école. Mais là, on arrive, ça fait une deuxième fois qu'on tue un étudiant en dans la faculté, ça montre que nous, dans une société, côté nous avons une sécurité qui est à outrance. Je veux dire, nous exposer matérialité et revendication, nous, côté que l'État, les tuer étudiants, les brûler nous, et en même temps, les brûler éducation dans le pays. Parce que l'on brûle en bibliothèque, en dans l'espace universitaire, ce n'est pas un bon simple livre que vous brûlez, c'est montrer que vous voulez brûler éducation. Vous tuez professeur, vous voulez montrer que c'est éducation qu'on tue en dans la société. Vous tuez étudiants de faculté, vous montrez que c'est faculté à qu'on brûle, c'est éducation qu'on brûle en dans le pays. Donc, dans l'objectif, nous-mêmes qui sommes étudiants en l'université de l'État et généralement étudiants en Haïti, nous avons demandé vengeance pour camarade Grégory Saint-Hilaire. Là, nous disons vengeance, tout le monde connaît littéralement vengeance, c'est fait être justice. Donc, dans le cas ça, l'État lui-même qui t'a supposé un État régulateur ou bon État qui t'a supposé bonne justice, c'est lui-même même qui a fait mal, c'est lui-même qui a massacré, c'est lui-même qui a assassiné. On n'est pas capable de chiter devant l'État ça pour demander l'État sa justice. Donc, dans le cas ça, ou même on demande pour capable faire toute justice. Donc, littéralement, nous sommes capables de dire, nous demandons vengeance. Nous demandons vengeance parce que l'État lui-même qui t'a supposé l'État régulateur ça, c'est lui-même encore. Qui a massacré nous donc avec qui ça avec excès d'autorité que on gagne donc nous dit vengeance donc façon que nous choisir venger nous-mêmes nous pas choisir venger mais façon que nous a détruit matériel ou bien n'a brûlé n'a crasé mais n'a venger pendant que nous a déposséder l'état ça de autorité que il gagne parce que c'est excès en autorité que l'état gagne qui fait que il capable faire massacre il capable voler l'argent pays au fin voler l'argent pays et puis yo tire professeur yo dit et puis pas justice qui baille yo tire étudiant yo dit et puis. Donc tout ça c'est excès d'autorité. Donc c'est pour ça que nous choisissons venger. Donc nous avons vengé l'État pour nous déposer de l'autorité que nous avons et que nous sommes capables de faire une société côté qui équitable, côté tout le monde est capable de vivre bien nos façons. Donc bon, normalement, nous-mêmes, étudiants, École normale supérieure, donc journée aujourd'hui, l'activité que nous avons fait, c'est toujours dans la logique pour que nous fassions campagne de sensibilisation pour. Camarades nous, Grégory Saint-Hilaire qui perdit la ville, mais tout c'est pour nous capables de dire non à rigor sans cap couler dans le pays depuis avec l'arrivée de PHTK au pouvoir. Donc n'a pas comment que nèg yo arrivé, non seulement gangsteriser pays, mais tout nèg yo a cherché casser tout élan de résistance population haïtienne là. C'est ça qui fait que nous décrit système ça qui gagne dans le pays là, un système épistémophobe. Donc quand on dit un système épistémophobe, c'est un système qui gagne problème avec monde qui connaît lit. Parce que qui problème qui gagne, pas oublier que après l'indépendance du pays, le 1er janvier 1804, il y a deux projets. Il y a un projet populaire et un projet minoritaire. Donc après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Ier, c'est un projet minoritaire qui pourra prendre pied dans le pays. Maintenant, pour que vous continuez à faire le statu quo, c'est-à-dire maintenir le projet minoritaire, vous avez deux stratégies qui sont utilisées. Et la stratégie qui est utilisée, c'est une double stratégie. Premièrement, c'est quimber la population haïtienne dans l'ignorance. Ou après, Braille lui-même disait que semer l'éducation, c'est semer la révolution. Donc, n'est-ce clair, il n'y a pas de battre peuple à l'éducation pour ne pas comprendre ce qu'il a fait là, pour qu'il n'y ait pas de moyens théoriques pour capable mettre le système dans la question pour changer. Mais deuxième stratégie, c'est que les populations ont une pauvreté absolue. Parce que si nous répétons, Edmond Paul qui dit, nous avons deux malheurs pour ne pas quitter nous. Deux malheurs, c'est premièrement, pas quitter un tyran occupé de l'État, parce que si ça arrive, la débouche sur une révolte. Mais deuxième malheur pour ne pas quitter nous, c'est pas quitter incapable occupé de l'État. Laisse arriver, la perdure règne, misère qui gagne dans le pays. Donc nous-mêmes qui comprenons la logique, ça, qui comprenons la situation, ça, qui nous mettons un système épistémophobe, il a essayé de casser.
tout élan de résistance population haïtienne pour mettre ministre sous courant. Donc nous-mêmes nous décider comme jeunes qui prend responsabilité nous pour que nous combattre système ça qui gagne là. Et bien c'est dans contexte ça que camarade Grégory Saint-Hilaire n'est pas cibler et pas assassiner les gens qui ont assassiné en dans l'école normale supérieure. Donc l'important pour nous répéter devant la presse nationale et internationale dans toute histoire pays malgré tout régime criminel qui j'aime passer dans pays notamment dictature du Valier n'est pas jamais arrivé à atteindre la vie d'un étudiant dans l'espace universitaire. Mais nous-mêmes, nous ne parlons pas de Grégory Saint-Hilaire comme étudiants, nous sommes comme un monde. Je veux dire, c'est inacceptable pour que nous ayons massacre Solino, massacre Belé, massacre Cité Soleil. Nous avons monté la caille, nous avons assassiné, mais nous sommes rentrés dans l'université, dans l'imbé, nous avons maltraité les gens, nous avons violé les filles, donc nous pensons que ça est inacceptable. Donc devant cette situation, nous avons une sorte de plainte symbolique que nous déposons dans le système parce que nous croyons que le système injuste n'est pas capable de faire nous justice. Donc c'est ça qui fait nous-mêmes nous en vengeance. Mais ça va empêcher que nous déposions une plainte symbolique. N'après que nous gagnions une peinture rouge, nous mettions nous là-dedans et puis gagnions un drap blanc que nous déposions nous. Sauf façon pour nous dire que non à toute rigole sans capouler dans le pays. Sauf façon pour nous dire que vive l'éducation parce que sans éducation, nous pas qu'à retirer population haïtienne dans ça qui vient là. C'est ça qui fait que n'après répéter Jean que Michel Lobo te dit là, la société de demain sera par l'éducation ou elle ne sera pas. Et nous clair sur ça. Nous gagnons deux éléments qui capital pour nous-mêmes. Grégory Saint-Hilaire tape bataille pour le respect des droits à la vie. L'État bataille pour ça l'éducation à la population haïtienne. Donc nous pensons que faut que yo identifier moun qui assassiné Grégory Saint-Hilaire là parce que nous pas tolérer pour camarade enterré pour que yo pas identifier moun qui assassiné. N'après jusqu'à présent, camarade pas gagné un mois depuis qu'elle mouri pour que jambe gagne deux matchs fait dans ce sens ça pour identifier moun qui assassiné là. Mais deuxième élément tout qui clair pour nous même Grégory Saint-Hilaire qui 4 ans depuis la bataille pour un bagage qui revient de droit. C'est une question de protocole d'accord que ministre dictateur José Angino Kade choisit il mettre fin avec. Ou après en plus de ça pour ne pas assumer Zak ça, pour dire oui c'est nous-mêmes qui fait assassiner camarade là, ou après ne pas arriver, yo cracher encore sous l'homme camarade là, côté que ne pas choisir lancer concours. Pendant ce temps que promotion Grégory Saint-Hilaire là, c'est à peine 151 étudiants. Ne pas de nommer 151 étudiants, ne fait 4 ans y a bataille, ou après quand camarade là fin mourir, ne lancer concours pour recruter en fait de 300 nouveaux étudiants. Donc ça prouve que toutes les choses qui ont été marchées du système de la Centurion, c'était un plan long mois, ne go mariné, puis ont été assassiné camarade là, mais tout puis ont été brûlé l'école normale supérieure. N'a pas répété encore. Depuis Super HTK, première version, Négoté dit, il a fermé l'école normale supérieure. Parce que c'est là qu'il a emmerdé, parce que c'est là qu'il a formé les gens pour vivre les gens, pour former la petite population, pour comprendre ce qui passe dans le pays. Négoté dit, il faut fermer l'école normale supérieure, emmerdé trop. Mais sous PHK, deuxième version, négoté appliqué ça. Ou après, non seulement retirer étudiants de l'espace, mais négoté arrivé à brûler l'école normale supérieure, ou après, bibliothèque là, libre seulement, mais c'est l'école là qui va le brûler. Mais après, en plus de ça, négoté prend une décision encore pour fermer l'école là, pire toujours les qui ont choisi, banaliser. L'amour camarade nous Grégory Saint-Hilaire et nous pensons que nous pas camper tout autant que nous pouvons joindre revendication nous satisfait premièrement c'est identifier monde qui assassiné camarade là deuxièmement départ régime ça cap marcher la guissant et tout côté dans pays et puis départ sans condition José Agino Kadé dans tête ministère de l'éducation nationale.